Salut mes chers abonnés, alors bienvenue. Sur Pokémon Épée pour vous montrer une vidéo assez sympa ce matin. Voyez, j'ai Chiffourse dans mon équipe. Chiffourse. Du coup, on va faire la tour de maîtrise de l'eau. Et ensuite, on ira faire celle des ténèbres. Comme ça, vous verrez les deux. Oui, j'y renonce. Voilà. J'ai sauvegardé avant, évidemment. J'ai déjà fait le bail. Et du coup, j'ai réussi. Chiffourse! On affronte en premier adversaire. Le célèbre canard qui a tout le temps mal à la tête. J'ai nommé Psycho Psycho Quatch. Close combat. Oui, attends. Psycho Psycho Quatch, bye bye. Psycho Quatch, Psycho Psycho Quatch. Et 2-1, ça c'est fait. Le deuxième est un peu plus compliqué, si je ne m'abuse. C'est Torte ou Maril. Ah non, c'est Krabi. Donc Krabi, non, c'est bon. C'est Tétarque le quatrième et Maril en avant-dernier. Close combat! Les deux premiers, c'est Finger in the Noise. Il n'y a pas de souci. Ok. Marie! Non, c'était tard l'avant-dernier du coup. Close combat! Yata! Et à quoi jette forcément? Et un Aelopic fera l'affaire! Aelopic! Aelopic! Yata! Voilà. Bye bye. Marie. Le seul qui me pose, on va dire, un mini problème, c'est parce qu'il a la capacité abri. Du coup, abri permet d'échouer, de faire échouer les attaques. Vous connaissez bien. Donc du coup, déjà, ce qu'on va faire, on va prendre une petite boisson pour notre ami. Allez, bonne limonade, mon gars. Wouchour, ce bonne limonade. Parfait, merci. C'est parti pour Tétarte. Alors, contre Tétarte, ce qui m'ennuie, c'est sa capacité à abri. Donc du coup, je vais utiliser soit Psy Coup de Boule, soit Tête de Fer. Mais Tête de Fer, ça pourrait lui faire peur. Ça pourrait être utile, en fait. Aïe, l'attaque. Tétarte. Psy coup de boule, psy coquac. Oui, il utilise son siphon. Voyons, il est content, il m'envoie dans un torrent de flotte. Il est content, le tétard. Tête de fer.
Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Monsieur a abri, il est content. Oui, il est content, il a fait abri. Bon, ça fait un chouïa mal, hein. Bon, c'est pas très grave. Il m'envoie valser dans le siphon. Il est content, le monsieur. Oui, il est content, le tétard. Il est content, tétard. Tétard! Bon, du coup, bah, on va se soigner un peu, hein, parce que là, on est dans la mouise. Enfin, un chouïa. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une petite hyper potion. Oui, chou. Oui, chou. Voilà, soigne-toi, mon garçon. On va l'achever avec un Hello Piqué. Hello Piqué! Il est content, il m'envoie dans son siphon. Il est content, le tétard. Tétard! Tiens, prends ça. Quoi, c'est une blague? Ok, d'accord. Bon, ben non, il aime bien les coups, donc on lui en redonne un. Voilà, c'est parfait, il a pas fait abri. C'est nickel. Wishours! Wishours! Let's go! Wishours! Yata! Allez, bye bye, tétard. Tétard, te fais dodo. Voilà. Bon, du coup, c'est pour ça que je vous disais tétard. Et le seul qui vous pose un petit sushi lors des combats pour faire évoluer notre superbe disciple Wishours en Chifours. Du coup, on le soigne et on va voir. On va passer la dernière épreuve. Tintin, la dernière épreuve est lancée, la Famax. Alors, mes chers youtubeurs, voici la dernière épreuve. Wouchou. Je vous passe un peu le texte, hein. Un tel Pokémon poisson qui ne peut subsister dans un autre clair, vous devez trouver une année. L'heure est venue pour moi de vous révéler la puissance de l'eau. Aïe aïe aïe. Salut le master. Yata, maître du dos, je veux se battre. Wouchous. Du coup, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, ce que j'ai fait pour mon Wishours, je lui ai appris 7 capacités. Le psy-coup de boule. Psy-coup de boule, psy-coquette, psy-coup de boule, bayabam. Voilà, déjà, ça fait très mal dans sa tête. Hello, piqué. C'est pas mal. Et du coup, on va faire la même attaque que lui. Comme ça, on fait deux attaques différentes. Et on pique. Voilà, bye bye, Wishours. Et le combat est fini. Après, clairement, vous lui apprenez les attaques que vous voulez à votre Wishours. Mais dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir, Wishours niveau 70. Comme ça, vous avez aucun souci. La preuve vient de le faire. Vous avez été fantastico! Wishours! Tac. Il est content, mon Wishours. Voilà. Yata! Il est content. Eh bien oui, il est content, il va pouvoir évoluer, le petit! Allez, mon loulou, on va évoluer. Voilà, donc du coup, là... Mais par contre, juste avant de couper, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit combat avec Wishours de l'eau. Et après, on va aller s'attaquer à Wishours forme ténèbre. Voilà, le parchemin de l'eau. Le rouleau de l'eau. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à Kung Fu Panda, un peu. Bah oui, vu que c'est un panda. Je devrais l'appeler Po, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Wishours! Dernière fois que vous voyez Wishours dans cette version-là. Et Wishours évolue en...
Le sublimissime Chifus. Voilà. Chifus. L'ours de Kung Fu. Bien sûr. Alors moi, personnellement, je lui ai enlevé tête de fer. Après, clairement, vous faites comme vous voulez. Torrent de coups. La puissance de l'eau, Shifu. Bien sûr. Merci pour la carte de la ligue, Mostar. Muster. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire. Pas tant qu'à faire d'avoir Chifourse, oui. On va aller faire un petit combat avec. Alors du coup, on va essayer de lui trouver un adversaire. Voilà. Je vous montre un petit combat avec l'attaque. Parce que franchement, elle est magnifique. Pas contre un tentacule, ça va pas trop le faire. Voilà, contre un Sarmurai, voilà un adversaire digne de ce nom. Chifours. C'est juste pour vous montrer l'attaque. Parce que clairement, forcément, contre lui, ça va pas lui faire grand chose. La puissance phénoménale de l'eau. Voilà, elle attaque 3 fois. Du coup, j'ai fait clairement exprès de vous montrer pour qu'elle touche 3 fois la personne, mon adversaire. Parce que j'aurais pris un Levenard, clairement, une fois il était capot. Il est content, le Sarmurai, il m'envoie d'armes nuées, il est content. Moi aussi j'ai un Sarmurai, je kiffe ce Pokémon d'ailleurs. Bon, ben on va l'achever avec le... Ayolo piqué. Quand même. Voilà, Sarmurai s'est cassé. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. L'idée, c'était juste de vous montrer, voilà. Voilà, mon nouveau garde du corps, parce qu'il fait vraiment bodyguard. Chifourse version aquatique. Alors, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Alors, si vous voulez, après, vous pouvez lui mettre l'objet mystique qui se trouve à la tour de l'eau, juste derrière, en fait. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, chers followers, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Chifourse forme ténèbres. À tout de suite.